Salut tout le monde les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans une vidéo découverte de mods, j'espère que ça vous plaira. J'ai pu trouver des mods assez fous les gars, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo si elle vous plaît. Et on est parti tout de suite après l'intro, c'est parti. Ok les amis, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel, donc voilà, on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que beaucoup de personnes m'avaient demandé parce que la précédente qui date de la semaine dernière vous avez quand même pas mal plu, je crois qu'on a 8000 quelque chose, donc merci à tous. En termes de vues on est pas mal et puis voilà, ça vous a plu et en termes de pouces bleus aussi on est pas mal, donc je me suis dit que ça vous a plu, du coup on est reparti pour une découverte de mods. Et aujourd'hui les amis nous avons encore des mods encore un peu plus fous que la dernière fois. Nous avons du coup tous ces petits mods en face de moi et il y a un autre mod qu'on va aller voir en premier juste derrière nous. Donc juste avant que ça commence les gars, j'espère que juste la vidéo va aller parce que bon là je suis quand même, ok j'ai rien dit, je suis à 100 fps, ça va. S'il y a du bruit je suis vraiment désolé, je vais faire au maximum pour qu'il n'y en ait pas, il y a beaucoup de vent, d'orage chez moi, du coup je vais essayer de voir pour essayer de limiter les petits bruits simplement les gars. Et du coup voilà les gars, tous les mods seront disponibles sur mon site internet zero.fr/mod. Simplement vous allez dans les catégories appropriées, par exemple si vous voulez le pulvérisateur que je vous présenterai tout à l'heure, vous êtes dans le pulvérisateur. Voilà, il y a plusieurs catégories et bien sûr si vous avez un doute n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo pour que je vous réponde tout simplement dans les temps, voilà tout simplement. Du coup les gars, pour le premier mod, j'ai trouvé un mod assez foufou, il y a peut-être d'autres youtubeurs qui l'ont présenté, je n'ai pas du tout vu, c'est bon, ok, j'ai pas du tout regardé, mais j'ai pu découvrir sur un site anglais qui avait un mod qui était sorti, du coup c'est un zoo, on peut dire que c'est un peu un zoo assez bien fait je trouve. Bien sûr il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fonctionnelles, mais on peut dire directement qu'il y a des nouveaux types d'animaux. Donc voilà, donc les amis à quoi ça ressemble. Donc là les gars on est sur Rollstream, hein. À la base j'étais parti sur une autre map pour changer un peu, mais je me suis dit on va aller sur Rollstream pour placer ce bâtiment là, pour placer ce mod là, on a besoin d'un grand truc. Et vu que Rollstream maintenant Black Sheep a fait une zone qui est ici, qui est hyper grande, je me suis dit on prend celle-là, y a pas à chier, on prend celle-là. Du coup les gars, on arrive ici, donc je sais pas du tout si les portes s'ouvrent, hein. Là il y a un truc de flèche, donc je pense que oui, en avançant avec un tracteur, on peut rentrer, je sais pas du tout. Là du coup, on a vraiment un mode assez complet, il est vraiment complet les gars, y a pas à dire. Donc là y a un monsieur simplement dans sa petite caisse, donc ça c'est une caisse, et là bien sûr on peut rentrer juste ici, voilà. Là vous avez, on peut dire que c'est un peu comme un labyrinthe parce qu'on est assez perdu. Donc les amis, à gauche on a tout ce qui est cerf, etc. Donc des animaux franchement qui sont assez bien faits. On a plusieurs types d'animaux les gars. Donc là on arrive ici, donc c'est un peu un restaurant intégré dans le zoo en fait. Donc là on a les petits trucs pour les enfants, on peut dire ça comme ça, les petites décorations pour les toboggans, tout ça. Là les gars, ici on a les petits lapins, donc les lamas bien sûr, donc aucun animal, bah les animaux simplement ne bougent pas, mais bon c'est pas non plus très très grave, les portes non plus s'ouvrent pas, mais franchement c'est une très bonne décoration je trouve, j'aimerais bien mettre ça sur les trois fermes, un truc comme ça, bon c'est énorme les gars par contre, en termes de place ça prend quand même beaucoup de choses. Ici les gars, on a des petits loups, et si on se rapproche, écoutez, on a des bruits à peu près à chaque animal, voire les trois quarts. Quand on se rapproche, on a les bruits simplement, et je trouve ça vraiment sympa. Donc déjà forcément que c'est pas forcément fonctionnel, mais les bruits sont derrière et c'est vraiment sympa. Ici les gars, on a les ours. Alors est-ce qu'il y a des bruits? Pas mis de casse, mais j'entends dans mon... Attendez, parce que j'ai mis mon écho, mais je pense qu'on va... Voilà. Attendez, je regarde le son les gars. Ok, donc là les gars, il y a les ours d'un côté. Ici il y a les sangliers, donc il y a les petits sangliers qui sont juste là. Donc c'est vrai qu'on a à peu près 5-6 nouveaux types d'animaux sur farming. Bien sûr c'est pas des animaux qui sont fonctionnels, hein. C'est vraiment des animaux en décoration etc. pour faire un mode assez quand même sympa. Parce que c'est vrai que ce mode avait jamais sorti sur le 19, mais c'est vrai que c'est sympa. Là les gars on a les renards,
Donc les renards qui font aussi un petit bruit. Voilà, donc c'est... Je trouve ça vrai, le concept hyper sympa, là, les petites caméras de sécurité, etc., les petites caméras de surveillance. Et là, les gars, simplement, on peut sortir juste ici et puis repartir. Voilà. Donc c'est vrai quand même, on a quand même un mode assez sympa de une et aussi un mode assez complet. Là, on peut voir qu'on a une petite brouette, qu'on peut faire un petit chantier, bien sûr, en termes de décoration, parce que comme j'ai dit, c'est pas fonctionnel. Là, on a quand même pas mal d'indications, que ce soit le parking, etc., les horaires. Et puis voilà, la petite maison là, c'est un hôtel en plus. Un hôtel barman. En fait, le mec, il a tout pensé. Hôtel, restauration, animaux, il a tout mis. Bah, c'est sympa. C'est sympa de ouf. Ok. Donc, les gars, voilà la place que ça peut prendre à peu près. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, voilà. On a ici, on peut dire, c'est la maison. Hein, la maison de FS19. Et après, bien sûr, dans les côtés, au fond, on a les animaux. Voilà. Et puis là, bien sûr, c'est vraiment tout ce qui est restauration. Tout ça. Alors, du coup, les gars. Je fais n'importe quoi. Du coup les amis, comme mode là ce qu'on a, on a des modes quand même assez sympas. Donc tout sera sur mon site internet 0.fr. Hein. Vous pouvez tout installer. Donc ici les gars, on a le petit 4x4 de LBDT Gaming de Damien. Voilà, qui est français. Il est sur le modem. Donc il sera disponible sur mon site qui vous ramènera directement sur le modem. Donc on a plusieurs choses assez cool. Donc, un pick-up avec la plaque convoi agricole avec deux gyrophares dessus. Et ça derrière, on peut le modifier. Donc je vais vous directement vous faire voir où c'est. C'est là. Donc là voilà, on peut l'avoir en couleur. On peut l'avoir en toute couleur. Donc en jaune, en orange, en rouge, en rose, tout ce que vous voulez. En termes de personnalisation, on peut mettre soit deux gyrophares, sans pancarte, là on peut mettre aussi deux gyrophares, donc c'est pas le même type de gyro, il y en a qui est plus gros, un qui est plus petit. On peut mettre quatre gyrophares, type 2, donc ça veut dire il y a deux gyrophares sur le toit, plus la convoi agricole, et il y a deux gyrophares en plus sur la plaque convoi agricole, voilà. Et voilà, tout simplement. Moi j'ai mis les gars la plaque convoi agricole. Et aussi on peut rien mettre. Ok les gars, donc voilà, on est reparti. Désolé, on dirait que je pleure maintenant parce que j'ai tout ça en pleine vidéo. Je pouvais plus, j'ai tout ça, je sais pas ce que j'ai eu. Et du coup on est parti. Donc les gars, voilà pour la voiture, comme je disais, il y a aussi une catégorie où vous pouvez mettre vos plaques, etc. Ou pas du tout. Donc moi je préfère avec. Je préfère avec simplement. Ensuite comme transport, voilà, en type de transport ça change aussi, on peut mettre soit du diesel, soit des semences du coup, soit de la chaux et soit de l'engrais solide ou soit de l'eau. C'est vrai que les gars ça se fait vraiment beaucoup je trouve ça. Il y a beaucoup de personnes l'autre fois aussi sur le... L'autre fois c'était... Ah non, c'était sur le mode Stervio, je crois que j'avais mis l'autre fois des petits modes sur suite à Stervio. Et il y avait aussi une petite bennette qu'on pouvait faire ça. Et j'ai vraiment trouvé le concept sympa qu'on puisse changer ça. Ensuite ici les gars, on a un petit semoir Lemken, donc avec le petit quasillage Maxum, j'avance du Frowit, what? Voilà, 125 ici, avec sa petite masse juste devant que j'ai trouvé hyper belle. Donc je vous mettrai tout sur mon site les gars. Donc voilà, ici les gars, le petit Saphir 8 qui est sorti il n'y a pas forcément trop longtemps je crois. Et c'est vrai que c'est un bon petit semoir, hein, pas se cacher que c'est un bon petit semoir. Donc ici les... Ouais par contre, attendez, ok. Ici les gars, on a un petit classe Atlas. Donc attendez, voilà, on va revenir. C'est un reskin du Renault qui était sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est un classe simplement reformé en Renault. Donc ils ont juste changé les couleurs. Et ici les gars, c'est un petit pulvé. Je l'ai trouvé hyper beau le pulvé. Des détails de ouf. Et surtout les couleurs. Je trouve aussi vraiment les couleurs hyper belles. Voilà. Et ici les gars, pour le petit semoir, c'est un... Ah, je sais plus comment on dit. C'est un semi-direct. Voilà, c'est pour un semi-direct. Ici, les gars, juste derrière, on a un Massey. Donc, il est sorti il y a pas mal de temps déjà. Il doit avoir 2 mois déjà. Mais j'ai trouvé vraiment le concept génial. Les petits tapis, les gars, on peut mettre les pieds avec les logos Massey Ferguson. Et je trouve ça vraiment génial. Et le Massey est hyper complet. Et ici, après les gars, on a le plateau Le Bouge qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Il est sorti il n'y a même pas une semaine, je crois. Donc, vous appuyez sur X, ça vous replie les petites sécurités pour les bottes juste là. Voilà. Et ensuite, simplement pour le plateau, on va aller voir ça ensemble. C'est dans Bâle. On va aller voir ça ensemble, les gars, le plateau. Le plateau, il est là. Donc, en fait, on a deux choix. Pour la personnalisation, donc soit l'extension ou soit le standard. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui mettent sans l'extension. Donc moi j'appelle ça des sécurités pour les bots. Après à vous de me dire l'extension ou le standard.
Donc, à vous de voir sur ça. Et pour la configuration des roues, il y en a deux. Donc, à vous de choisir. Voilà, simplement. Du coup, on va revenir un peu au pulvérisateur. Ça, je n'ai pas parlé énormément. Donc, le pulvé, comme j'avais dit, je trouve que le détail est vraiment hyper bien fait. Parce que le pulvé est quand même assez ancien. On peut apercevoir la rouille un peu partout sur la machine. Et là, surtout. Le truc que j'aime bien, c'est qu'on peut apercevoir. Les tuyaux simplement bleus qui ressortent bien, je trouve, sur le mode en fait. Ils ressortent hyper bien sur le mode. Après, à vous de juger. Bon, après, c'est vrai que j'ai pris un petit classe, bah, le Roskin Renault. C'est vrai que j'ai abusé, je crois. J'ai pris vraiment un gros classe comparé à un petit pulvé, bien sûr. J'ai pris ça parce que j'ai pas forcément trouvé d'autres modes assez bien. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris un petit classe. Voilà. Bon, les amis, ce qu'on va faire maintenant, on est déjà à 11 minutes de vidéo. On va partir pulvériser 2-3 allées. Pour vous faire un peu découvrir le mode et aussi pour me faire voir à moi, on va aller au champ, je sais plus lequel, pour pulvériser vite fait. Voilà, parce que j'aimerais bien déjà vous faire découvrir ça et au moins pour vous faire voir si tout bien marche. Après, je pense que oui, hein, je pense que oui, bien sûr. Alors, on va passer sur la gauche. Après, ok, bon, on va passer directement. Toi, tu vas attendre un peu mon loulou, s'il te plaît. Voilà, mais du coup voilà, c'est vraiment un reskin du Renault, je m'en rappelle, on avait fait ça à l'époque avec la team Stervio, c'était sur FS17, milieu FS17 je dirais, on avait fait ça aussi, pour ce mode là, le Renault, on l'avait modifié, c'était vraiment sympa, du coup les gars c'est parti, on va déplier ça, attendez, on va juste se décaler parce que sans le camion me fasse chier. Attends. Ouais, ça passe à travers. Eh bah, GG. Très bien. En vrai, les gars, il est hyper grand. Il est quand même hyper grand. On va pas se cacher. Donc, bien sûr, clic gauche, vous pouvez pas descendre, je croyais. Soit il y a beaucoup de dépendants qu'on peut faire ça. Du coup, plus viré de ça qu'on peut faire ça, mais pas là. Donc là, on peut. Attendez. Ok, d'accord, ok. Donc en fait, vous passez comme ça, voilà. On passe à un pulvérisateur après. Mais après, je crois que sous les autres pulvés, il y a plusieurs choses. Avec le clic gauche, on pouvait baisser le pulvé pour bien sûr la pulvérisation passe mieux dans la terre ou autre. Mais là, c'est qu'on peut pas. On peut même pas appuyer sur V pour le descendre. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Mais vraiment, les gars, voilà. On peut apercevoir qu'il y a quand même une différence de là à là. Voilà. On peut apercevoir aussi qu'il marche bien. Donc c'est vraiment. Sympa, voilà, après du coup, hein, comme d'autres choses, on aura le petit semoir, donc oui, je désactive ça vite fait, ok, on fait juste la dernière allée, de toute façon, je pense que ça va juste faire, ouais, on va faire un petit semi direct après, vite fait, les gars. Et puis après on s'arrêtera là pour la vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai déjà le champ concernant le semoir, donc on va aller faire ça après, les gars. Et après bientôt, et bien sûr pour le plateau, le bush, et ben je pourrais pas forcément plus vous présenter en détail parce que déjà c'est pas un autoload et j'aurais mis beaucoup de temps à charger les bottes. Donc voilà, moi je suis pas un pro des bottes et c'est vrai que j'aurais mis pas mal de temps. Et bah voilà, ça aurait été un peu chiant, tout simplement. Du coup les gars c'est parti, on va juste reculer ça vite fait pour pas qu'on bloque les gens. Et puis on se retrouve directement sur le petit case maximum le 125, donc le champ est juste derrière moi, donc je vais juste reculer vite fait. Et puis on s'arrêtera là les gars, je vais faire 2-3 allées aussi. Franchement ce petit mode là, pourquoi pas le mettre sur la ferme de Stervio, bah sur la partie de Stervio concernant les trois fermes, pourquoi pas. C'est vrai que nous on a un semoir, mais bon, un petit lemken, je trouve que, franchement, déjà que c'est un mode déjà, du coup c'est une tuerie. Et déjà le lemken, j'aime bien déjà la couleur qui ressort hyper bien. Et puis voilà, donc voilà les gars ce que ça peut donner. Je trouve vraiment le concept sympa. De toute façon c'est un lemken, on l'avait déjà sur FS17 etc. Mais voilà, c'est des modes quoi, c'est des modes. Et moi les modes, les plus beaux modes, les meilleurs modes à mon goût, j'essaie de vous les présenter tout simplement. Et puis voilà. Du coup les gars, bon je vous aime vraiment pas trop droit. Je vais essayer d'en faire un truc un peu mieux après. Concernant le tracteur, on n'a pas grand chose en termes de détails. L'IC n'est pas compatible pour ce tracteur là. Je pense qu'il était. Le tracteur est sorti quand même il y a quelques temps. Donc je pense que l'IC n'était pas encore on peut dire fonctionnel pour ça. Donc voilà, c'est normal que beaucoup de tracteurs qui sont. Celui ce tracteur quand même il date quand même un peu. Voilà, il date quand même un peu. Et c'est vrai que bah j'ai pas regardé trop lycée, ça qu'on avait fait. J'ai fait une vidéo l'autre fois dessus. Il y a beaucoup de tracteurs en ce moment qui sortent concernant lycée simplement. Donc c'est vrai que c'est sympa lycée. On peut dire entre parenthèses une lycée. Parce qu'il y a soit le toit de haut qui s'ouvre, les deux portes, la vitre derrière. Et des fois il y a rien qui s'ouvre du tout. Donc c'est vrai que bah, c'est dommage sur ça. Mais franchement je trouve vraiment ce petit case hyper sympa. Après bien sûr pour ce case là les gars il y a plusieurs catégories. Donc je vais aller vous faire voir ça directement.
C'était celui-là, donc c'est by Gamelins. Donc il est juste là, donc en termes de couleurs principales, on peut tous les prendre, les gars. Bon, après, voilà, bien sûr, case, on sait tous que c'est du rouge, hein, y a pas à faire, à dire sur autre chose sur ça. Du rouge. En marque de pneus, on a du Trelleborg, du Michelin, du Mitas. Ah, nouveau Mitas No Cure. Ok, ok, d'accord. Donc là, les gars, on a deux nouveaux types de pneus. On a les Mita, ceux, et on a les No Cure, voilà. Pour la configuration des roues, parce que je vois pas trop en fait, il y a un effet, voilà. Des roues, on a le communal, masse d'équilibrage. Et pour la configuration du moteur, les gars, il y a le 115 qui va jusqu'au 145. Donc c'est vrai que c'est quand même énorme. Non, oui, jusqu'au 145, voilà, d'accord. Et bien sûr, pour la chargeuse avant, vous pouvez mettre soit oui, soit non. Bon, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'essaie vraiment de parler moins vite parce qu'il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit de parler un peu moins vite. J'essaye de faire de mon mieux simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué quand on a vraiment l'habitude de parler comme ça pour les vidéos. C'est vrai que c'est quand même très très compliqué. Bon les amis, voilà, je vous fais un maximum de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner pour les gens qui ne seraient pas abonnés. Simplement pour qu'on arrive aux 20 000 abonnés, ça ferait plaisir. Et puis voilà les amis, c'était Zero. Moi je vous dis, on se retrouve sûrement peut-être samedi matin ou samedi soir en live après cette interview, ou soit dimanche matin. Voilà, je n'étais pas trop pour ça. Il y aura sûrement un live samedi soir après cette interview, vous inquiétez pas. Mais pour la vidéo, concernant la vidéo, je n'ai pas forcément trop de... Je sais pas trop quand je vais la mettre. Voilà. C'était Zero les gars. Voilà. Bonne soirée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tuez tout le monde. Salut les gars.